Bonjour à tous, vous le voyez sur ces images, le temps n'est pas vraiment à la bronzette, il pleut sur la pelouse et ça va avoir son importance pour la suite. Au commentaire, Benjamin Da Silva est celui qui est le soleil du drapeau argentin, Omar Da Fonseca. Et on est avec vous pour vous faire vivre ce match captivant. Et dans le stade, tout le monde est impatient de voir le coup d'envoi de ce match. Quand on aime le football, on est impatient. J'ai déjà envie que ça commence. Vamos! Et voilà les 11 alignés pour cette équipe. Le 5-3-2 ou le 3-5-2, c'est toute la question. Que vont faire les pistons sur les côtés? Ce qui compte, ce n'est pas le système. Ce sont les intentions, la volonté, l'ambition et les joueurs. On connaît leur capacité à presser leurs adversaires. Leur pression ressemble à une meute de loups affamés autour du ballon. Mais une meute bien organisée. Oui, bien organisée, parfaitement synchronisée. Quand l'intelligence collective s'exprime parfaitement, c'est magnifique à regarder. Et c'est parti dans ce match. Sans doute quelque chose de bien à venir sur cette attaque. Ah, le ballon est centré. Ah non, il est perdu ce ballon. Ah, il y a la place pour une frappe. Et voilà le but. La peine installée. Déjà un but. Allez. On revoit ça avec ce duel remporté sur le chemin du but. Et ensuite, il ne reste plus qu'à ajuster. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Bonne pression de la défense et donc le ballon sort des limites du terrain. Le cadeau. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait. Ah, le centre ne passe même pas le premier rideau. Et l'équipe adverse récupère le ballon sans effort. Oh, la grosse faute là, mais ça c'est carton rouge. Le score en leur faveur ne semble pas avoir été un facteur de tranquillité, bien au contraire. Et oui, c'est la nervosité qui semble être au moins en partie responsable de ce geste. Cette expulsion risque de leur coûter très cher. Et le remplacement peut avoir lieu. Oui, bon geste défensif, touche à suivre. Oula, le ballon est rendu directement à l'adversaire. Et balle au pied, toujours dans le camp adverse. Le centre est bon, mais malheureusement, personne pour couper la trajectoire.
l'ouverture en profondeur, en position idéale. À l'intervention décisive qui permet de soulager la défense. Grosse bronca dans les tribunes, et le public qui gronde suite à ce pénalty non sifflé. La bonne présence, bon contact, le ballon est bien repris. Ouais, le jeu est là, dans ces espaces latéraux. Et c'est donc une touche. Une bonne intervention de la défense sur ce duel, le ballon est en corner. Un corner qui est bien ajusté, le geste est raté, l'action n'est donc pas terminée. Oui, voilà, c'est une bonne percée. Très bonne intervention, le doublé n'est pas pour tout de suite. Le gardien qui cette fois-ci s'impose, la souplesse prime sur l'arrêt d'or toujours. Le corner. Et le ballon sorti, renvoie au 6 mètres. Et la tentative de lob. Et ballon bien stoppé après cette erreur. Il peut avoir le sourire, le gardien. Ça aurait pu leur coûter cher, mais il s'est bien rattrapé. Très bon timing sur cette interception. Il y a un contre possible à jouer là. Et finalement, cette transition offensive se termine dans les pieds de l'adversaire. Occasion manquée. Sans problème dans les bras du gardien. Et cette dernière occasion illustre très bien le problème de cette équipe dans ce match. Pas assez de dangers créés. Il y a trop de timidité offensivement. Attention parce que ça peut coûter très cher à la fin. Et pour ça, il faut commencer par récupérer ce ballon. Et il prend sa chance. Ah, le gardien fait ce qu'il faut. Le corner. Superbe parade, extraordinaire. Oui, tout le monde s'attendait au but sur cette tête. Ah, le corner bien tiré. Ah, c'est un bon pressing qui permet de récupérer. Et non, c'est récupéré sans trop de difficultés par la défense adverse. Et le panneau indique que nous aurons 2 minutes de temps additionnel. Ah non, c'est contré. Ah, jaillissement très haut, le ballon est récupéré. Et voilà, on n'ira pas plus loin, c'est la mi-temps.
Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donnée à l'instant. Ouais, c'est propre, sans faute. Avantage, l'arbitre laisse jouer. Ouais, bien donné en profondeur. Hors-jeu, et ça doit se jouer à rien cette position de hors-jeu. Et oui, dommage, parce qu'on aurait eu droit à une belle ouverture. Oui, la belle incursion là. Et le gardien était bien vigilant. Cornea. Aucun souci là pour la défense. Ballon dégagé. Belle frappe, mais de peu à côté. Attention, c'est rendu directement aux adversaires. Oh, l'intervention du gardien. Il est bien frappé ce corner. Attention, il y a le pressing, il faut vite relancer. Le ballon en touche. Ouais, il prend le meilleur là sur l'adversaire. Oh là là, la faute! Oh, normalement, c'est carton rouge direct ça. Oh, le carton rouge! Ah, ça va pas améliorer la situation de son équipe, ça. Et oui, le match était déjà très compliqué. Alors avec cette exclusion, ça va être encore plus dur de revenir. C'est bien frappé vers la surface. Oui, c'est bien fait, le danger est écarté. Et il vient repiquer vers le but. Et le tir, oui, bien fait de la part du gardien. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. C'est dégagé ce ballon. Ah, il lève bien la tête. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Attention au pressing là. Le cadeau. L'attaque se poursuit. Balle au pied. Un peu de champ pour tenter une frappe. Et le ballon va échouer sa trajectoire très loin du but adverse. Ça passe donc largement à côté. L'appui, la direction, il n'y a rien qui va dans cette frappe.
pression. Ballon perdu. Une balle jouée en profondeur. Ah, le gardien fait ce qu'il faut. Corner qui est bien ajusté. Énorme parade du gardien, incroyable. Oui, en plus, si près de la cage, c'est un facilitateur des rêves. Le corner, c'est dégagé, aucun problème. Ouais, le déboulé dans la défense adverse, bien joué. Au premier poteau, il y a des possibilités. Frappe puissante, mais ça passe loin du but. La spontanéité, c'est bien, mais il faut aussi de l'efficacité. Maintenant, il y a une erreur de transmission sur ce ballon. À côté, la frappe était pourtant bonne, mais c'est manqué. Ah, c'est pas bien relancé, le ballon directement rendu aux adversaires. Ouais, la parade. C'est bien parti pour ce corner. Et cette tête ne donne rien. Et c'est capté facilement. Le chrono tourne, évidemment, peut-être l'égalisation sur cette dernière attaque. Très bonne intervention. Rien de très difficile sur cet arrêt. Sans commettre de faute. Ouais, c'est bien vu cette passe. Et le drapeau qui se lève et c'est un hors-jeu, dommage, sur ce ballon en profondeur. Et oui, mais le ballon aurait peut-être dû partir un peu plus vite. Plus que 2 minutes à jouer minimum. Bonne progression dans le camp adverse. Ah non, c'est contré. Eh oui, c'est bien défendu. Eh bien joué, il efface son vis-à-vis.
Et le match se termine donc à l'instant, évidemment, pour les supporters qui ont fait le déplacement. Déception avec cette défaite. Le problème, ce n'est pas forcément de perdre d'un but d'écart à la fin. Ce qui compte, c'est la qualité de la prestation et les possibilités de gagner.